Alors, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'aimerais vous préparer une leçon de langue et de communication qui pose un problème pour certains élèves. Cette leçon s'intitule « Raisonner à partir d'une hypothèse » ou bien plusieurs hypothèses pour expliquer un fait. Là, on commence par... D'abord le titre, donc raisonner, c'est-à-dire réfléchir ou bien réfléchir à partir des hypothèses, donc les raisons ne sont pas claires. Les raisons ne sont pas claires de ce fait. Et parce qu'ils ne sont pas clairs, alors on va produire des hypothèses pour expliquer le fait, se dire ce qui est arrivé. Voilà donc le titre. Pour illustrer l'idée du titre, voici un support. Et avant d'aborder le support, j'aimerais vous dire que ce genre de petit texte est généralement fait par des journalistes qui font une course à l'information à partir des hypothèses pour expliquer des événements qui arrivent, qui viennent d'arriver à chaque fois. Parce qu'ils ne peuvent pas attendre jusqu'à l'obtention des détails, des causes, des faits divers qu'ils voulaient à tout prix vite relater aux lecteurs des journaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils expliquent à partir d'hypothèses qui est arrivée en attendant que les enquêtes finissent et livrent les causes effectives. Et dans ce cadre, voici un support. Un avion en provenance d'Amérique... Un avion en provenance d'Amérique n'est toujours pas arrivé. Il est prévu qu'il atterrisse à l'aéroport Mohammed V hier soir à 22h. Comme vous voyez, voici un fait vrai. Donc, selon l'horaire de cet avion et selon la coutume, il arrive toujours à l'aéroport Mohammed V à 22h. Et parce que c'est prévu que cela soit arrivé, et que l'avion est absent, alors c'est un fait. Un fait que les journalistes peuvent relater aux lecteurs dans les journaux. Maintenant, la phrase importante après ce fait, c'est celle-ci en rouge. Les causes de ce retard ne sont pas encore précisées. Et parce qu'ils ne sont pas précisés, on passe du premier point au second. Donc, dans le premier point, nous avons le fait exposé. On a exposé le fait. Et puis, à partir de ce fait, on va expliquer ce qui s'est passé, mais de manière incertaine. Selon la presse de ce matin, il se peut qu'il y ait eu un crash sur l'océan Atlantique. Donc voilà la première hypothèse. Et cette hypothèse, son outil, c'est « il se peut que », comme structure, plus le subjonctif. Et puis, l'origine de cette hypothèse, c'est la presse du matin. Selon la presse de ce matin, il se peut qu'il y ait eu un crash, c'est-à-dire un accident d'avion, une explosion d'avion dans l'air sur l'océan Atlantique. Puis mais, et on sait que mais c'est un outil d'opposition, une conjonction de coordination qui oppose ou qui va opposer la première hypothèse, étant faible et on dit faible parce qu'on n'a rien qui la corrobore, on n'a pas d'indice qui la renforce, à la deuxième hypothèse, qui sera renforcé. D'après un journaliste de la CNN, c'est-à-dire c'est une chaîne d'information américaine, l'avion aurait changé sa trajectoire vers le Royaume-Uni pour cause d'un éventuel mauvais temps. Comme vous voyez, l'outil de l'incertitude pour créer l'hypothèse, c'est d'après le conditionnel. L'utilisation du mode conditionnel, ici le temps, c'est conditionnel passé. Et l'origine de cette hypothèse, ça vient de la CNN, un speaker de cette télévision. Il a annoncé, par supposition, que l'avion aurait changé sa trajectoire vers le Royaume-Uni pour cause d'un éventuel mauvais temps. Voici aussi éventuel, mauvais temps, se dire peut-être il y aurait de la pluie ou de la neige, etc. Et c'est pas la neige, mais le brouillard, donc un mauvais temps. Jusqu'ici, nous avons posé la première hypothèse à la deuxième via « mais », l'outil de la conjonction de coordination de position. Puis,
On n'a pas encore renforcé cette hypothèse, c'est ce qu'on va faire dans le numéro 3. Mais avant ça, j'efface d'abord pour vous montrer c'est quoi exactement le numéro 2, c'est l'hypothèse. Donc nous avons les hypothèses dans la deuxième partie, la première hypothèse opposée à la deuxième. Puis le troisième élément, cette deuxième hypothèse, on va la renforcer par un indice qui la renforce. En effet, hier soir, sur la côte nord-ouest du Maroc, il a plu des cordes, il y a venté très fort. Donc, on a un vent fort, des pluies torrentielles qui renforcent l'éventuel mauvais temps ou bien le changement de la trajectoire comme deuxième hypothèse plus probable que la première. Alors, à partir de ce renforcement, ce numéro 3, on peut tirer la conclusion en utilisant un outil de résultats, l'exemple de ce qui tend à prouver que, ou bien donc, etc., les intempéries seraient la cause de ce retard. Et qu'on voit bien, hein, même si on a tiré la conclusion, on doit rester dans le cas de l'incertitude. Pourquoi? Parce que la première phrase nous l'exige, la phrase en rouge, les causes de ce retard ne sont pas encore précisées. Voilà donc le texte qui annonce les faits, qui l'explique à la base de deux hypothèses, la première faible, opposée à la deuxième, renforcée par l'indice en effet, puis on a tiré la conclusion hypothétique. Voici les étapes du raisonnement. On a d'abord exposé le fait. Deuxième émission de deux hypothèses au moins, parce qu'on aura besoin d'une qui est faible, opposée à la deuxième, qu'on va renforcer par un indice. Et cet indice, il est là, il est sûr. Il renforce donc la deuxième hypothèse pour pouvoir tirer la conclusion. Après avoir expliqué la leçon, je passe maintenant aux exercices. Mais avant les exercices... Ok, d'abord, comment on a présenté la leçon sur le manuel ? Avant de démasquer le vrai coupable, voici ce que l'inspecteur Justin avait pensé, c'est-à-dire raisonner. Comment il a raisonné pour expliquer ce qui va se passer ou expliquer ce qui s'est passé. Alors l'inspecteur Justin avait pensé, quand il a découvert les seringues et le sac de sang, voilà donc le fait, dans le coffre de la voiture de son collègue Gary. Ce qu'il a dit, c'est ça. Que viennent faire ces seringues et ce sac de sang dans le coffre de la voiture de Gary? À partir de cette question, hein, on va donc commencer le raisonnement. Il se peut que, alors voici l'outil, il se peut que plus subjonctif, il se peut qu'il soit destiné à la police scientifique. Puis mais, bien sûr ici, mais ça ne va pas opposer la première hypothèse à la deuxième. Mais ça va l'opposer à un indice qui montre que cette même hypothèse présentée au début ne pourrait pas être acceptée tant que ce n'est pas lui qui est chargé de cette affaire. Donc l'inspecteur Justin, en tant que supérieur de son collègue Gary, il sait que ce n'est pas lui qui est chargé de cette affaire, donc il n'a en aucun cas le droit de garder ou d'avoir les seringues et le sac de sang dans le coffre de sa voiture. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer la conclusion en utilisant donc, et en même temps, il va rester dans le cadre de l'hypothèse, « Oh non, Gary serait donc le vampire. » De quel personnage s'agit-il? Sur, ici pour les réponses, des questions posées sur le manuel, il s'agit de l'inspecteur Justin. Voilà. Deuxième question posée est quel est le fait qui l'a intrigué, c'est-à-dire qu'est-ce qui l'a dérangé, ce qui l'a intrigué et la découverte des seringues et du sac du sang.
Voilà ce qui l'a intrigué. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il va essayer de résoudre cette énigme en raisonnant à partir d'hypothèses. Maintenant, quelle hypothèse a-t-il émise? L'hypothèse est, il se peut que, donc nous l'avons ici, il se peut que, et puis nous avons, il se peut qu'il, le subjonctif, il ne faut pas l'oublier, qu'il soit destiné à la police scientifique. À la police scientifique. Voilà donc ce qu'il a présenté comme hypothèse. Maintenant, quelle conclusion a-t-il tiré? La conclusion est Gary serait donc le vampire. Attention, il ne faut pas avoir ici le mot indicatif, sinon on est hors sujet de la leçon. Pourquoi? Parce que les causes ne sont pas encore claires. Maintenant, pour la partie à retenir, vous avez, pour raisonner à partir d'hypothèses, on adopte le schéma suivant, on expose les faits, on émet une ou plusieurs hypothèses. Pourquoi? Normalement, ce n'est pas une, mais au moins deux hypothèses, parce qu'on doit retenir une et on va la développer par un indice avant de tirer la conclusion. Puis, on va aussi apprendre à découvrir les outils qui nous permettront d'exprimer l'hypothèse. D'abord, dans la dernière leçon, nous avons vu le mode conditionnel pour le temps présent ou passé. Ou bien des expressions, il se peut que plus subjonctif, ou bien peut-être plus indicatif, ou bien conditionnel, ou bien tout simplement les verbes qui indiquent l'incertitude. On suppose que, on pense que, on imagine que, on admet que, on présume que, trois points de suspension. Et pour tirer la conclusion, on peut utiliser les outils de résultat ou de conséquence, à l'exemple de conjonction de coordination donc, par conséquent, bien en conséquence, alors, cela montre que, cela révèle que, cela fait penser que, trois points de suspension. Voilà donc les procédures. Maintenant, on passe aux exercices. Et dans les exercices, nous allons voir ça. On va faire correspondre les situations de communication de gauche aux actes de parole à droite. Alors, la première situation de communication est un inspecteur émet une hypothèse lors de l'interrogatoire d'un homme suspecté d'un meurtre. Donc, on a suspecté une personne d'avoir tué une autre. Puis, quelle est la phrase où nous avons une hypothèse émise? On va donc avoir quatre. Dans quatre, nous allons voir les deux victimes ont été assassinées de la même façon. Elles avaient été mordues puis vidées de leur sang. L'assassin serait donc un vampire. Même si encore ici, vous avez une partie du raisonnement à partir d'hypothèses. Ici, nous avons la partie 3, c'est-à-dire la partie où nous avons un indice qui renforce l'hypothèse de l'assassinat. Puis on a tiré la conclusion, l'assassin serait un vampire sous forme de hypothèse. On passe maintenant à la partie suivante. Vous avez un policier mis une hypothèse. Pourquoi? Ou bien à propos de quoi? À propos du mobile, c'est-à-dire ce qui pousse un criminel à commettre son crime. Et puis nous allons voir numéro 1, c'est probablement à cause d'un règlement de compte. Et si l'outil de l'hypothèse, c'est probablement, l'adverbe, probablement. Ou bien la structure, c'est probablement. On passe à C, et dans C, nous allons voir un détective émet une hypothèse à propos de l'identité, c'est-à-dire qui est. Qui pourrait bien être le criminel, et nous allons avoir, non pardon, C c'est
Désolé, je vais revenir en arrière. Alors je reprends à partir de A. Un inspecteur émet une hypothèse lors de l'interrogatoire d'un homme suspecté de meurtre ou d'un meurtre. On va donc avoir numéro 2. Admettons que vous étiez en voyage la nuit du crime, comment pourriez-vous expliquer le fait que la police scientifique ait trouvé vos empreintes sur la porte de l'immeuble? Alors ici, l'interrogatoire ou la question dans l'interrogatoire était... Il a été posé par l'inspecteur pour montrer que l'alibi présenté par le suspect, et qui est le voyage pendant la nuit du crime, était un prétexte, n'était pas une vraie cause. Ce qu'il montre, c'est que la police scientifique avait trouvé des empreintes digitales sur la porte de l'immeuble. Ça signifie qu'il est responsable. Où elle est impliquée dans l'affaire du meurtre. Alors on passe maintenant à la deuxième. Dans la deuxième, nous avons un policier. Elle émet une hypothèse à propos du mobile, c'est-à-dire qu'est-ce qui pousse le criminel à faire son crime. On va voir, c'est probablement à cause de, et là c'est la structure, un règlement de compte, ce sera donc le mobile du crime ou le motif du crime. Numéro 3. C'est un détective qui émet une hypothèse à propos de l'identité d'un criminel, c'est-à-dire qui pourrait bien être ce criminel qui a assassiné ou tué les personnes. On va donc avoir numéro 4. Les deux victimes ont été assassinées de la même façon, voilà un indice. Deuxième indice, ils avaient été mordus puis vidés de leur sang. Cela nous permet de tirer la conclusion suivante sous forme d'hypothèse. L'assassin serait donc un vampire. L'outil de l'hypothèse, ce serait... Et vampire, ce sera l'identité du criminel. Dernière situation de communication. Vous avez D. Un détective émet une hypothèse pour identifier les causes d'un incendie. Alors, nous allons voir numéro 3. Peut-être qu'il s'agirait d'une défaillance électrique, ils ont dit masse électrique, ou bien d'un court-circuit. Peut-être qu'il s'agirait d'une défaillance électrique ou tout simplement à cause d'un chargeur de téléphone portable et l'outil utilisé, c'est peut-être que plus le conditionnel. Bien, alors là c'est pour le premier exercice, on passe au second. Et dans le deuxième exercice, nous avons ça. La mort du petit garçon trouvé égorgé dans la forêt aurait été provoquée, selon certains, par les enfants et par les chasseurs trésors. Désolé, hein. J'ai pas noté le reste de la phrase. Donc là, il y a par les chasseurs du trésor qui utilisent les enfants dans le rite ou le rituel, mais l'outil de l'opposition, selon d'autres, il aurait été causé par les trafiquants d'organes. Et puis le rapport du médecin légiste signale que le prélèvement des organes a été fait de manière professionnelle. Bien sûr, encore, on peut continuer ici avec la conclusion. Donc, les trafiquants d'organes seraient les responsables. Maintenant, la situation de communication peut avoir un inspecteur qui raisonne à partir d'hypothèses, je vais mettre au pluriel parce qu'il y en a deux, pour
expliquer la mort d'un enfant. Première hypothèse émise par celui qui a raisonné, c'est les chasseurs du trésor. Chasseurs de trésor. Bien sûr, on peut tirer toute la phrase. Aurait été provoqué par certains, par les chasseurs de trésors jusque-là. Puis deuxième hypothèse, ce sont les trafiquants d'organes. Voilà. Et puis la conclusion, bien sûr, moi je l'ai ajouté, ça figure pas sur votre manuel. Parce qu'il manque le résultat ici, la conclusion. On peut mettre donc que les trafiquants d'organes seraient les responsables. Pourquoi on peut tirer la conclusion comme ça? Parce que nous avons un indice qui renforce la deuxième hypothèse des trafiquants d'organes et qui est le rapport du médecin légiste qui a signalé que le prélèvement des organes a été fait de manière professionnelle, donc il ne peut pas être, ne peut pas être fait par les chasseurs de trésors. Deuxième situation de communication, au raisonnement, pardon, elle se serait jetée du haut de l'immeuble, donc on a trouvé une femme morte sur la chaussée, par exemple, puis nous avons donné la première hypothèse, elle se serait jetée du haut de l'immeuble, mais l'outil de position a opposé la première hypothèse à la deuxième, la police privilégie l'hypothèse d'un meurtre. Puis quel indice qui pousse la police à privilégier l'hypothèse du meurtre, c'est en effet plusieurs traces de pas encore fraîches ont été trouvées sur la terrasse du bâtiment. Encore la conclusion manque. On peut mettre donc quelqu'un l'aurait jeté. Ça veut dire quelqu'un l'aurait poussé. Soit quelqu'un l'aurait poussé, ou bien quelqu'un l'aurait tué avant de la pousser. Voilà. Donc, pour la situation de communication, nous avons encore la même chose. Un inspecteur qui raisonne à partir d'hypothèses pour expliquer la mort d'une femme. Ou bien, pour la première hypothèse, nous avons le suicide. J'essaie de faire vite parce que la batterie de la caméra paraît vide. Le suicide, pour la deuxième, c'est l'hypothèse du meurtre, donc on va mettre le meurtre. Et puis la conclusion, c'est que quelqu'un l'aurait tué. Je ne vais pas faire cet exercice, je passe directement à l'autre, c'est celui-ci. Raisonne à partir d'hypothèses dans les situations suivantes. Vous avez le fait, c'est l'incendie de la forêt. La première hypothèse, on vous l'a donné, c'est le mégot de cigarette. Deuxième hypothèse, c'est le feu de campeur. On vous demande le raisonnement, pardon, c'est pas conclusion. Raisonnement en quatre étapes. Un incendie s'est déclaré dans une forêt aux environs de la ville de Fès vers minuit. Voilà le fait. La phrase typique, c'est « les causes effectives ne sont pas encore claires ». Cette phrase me permet de faire la première hypothèse, la voici. Selon certains, la cause serait un mégot de cigarette. Donc on n'a rien qui corrobore cette première hypothèse. On met directement « mec » comme outil de position, puis la deuxième hypothèse. Selon certains, des campeurs auraient oublié d'éteindre le feu avant de quitter les lieux. Voilà la deuxième hypothèse. On la renforce par un indice. En effet, le garde forestier a vu quatre adolescents apparemment irresponsables quitter la forêt 20 minutes avant l'incendie. Alors cet indice-là, en vert, c'est un indice qui renforce l'hypothèse des campeurs. Puis ceci laisse penser que voici le type pour tirer la conclusion. Ils auraient oublié une braise, c'est-à-dire un bout de charbon ou bien un petit bois en feu non éteinte à leur lieu de campement. Je fais vite, ça va s'éteindre. Deuxième raisonnement, retard de l'avion c'est le fait, problème technique c'est la première hypothèse, le brouillard c'est la deuxième hypothèse, suivez. Un avion du Royal Air Maroc a tardé d'arriver à l'aéroport de Marrakech hier soir. Alors encore le fait, c'est ce qu'on sait. Mais les causes exactes de ce retard ne sont pas encore déterminées.
Alors, on ne peut analyser ce qui s'est passé qu'à travers des hypothèses. La première, d'après un expert retraité, c'est-à-dire quelqu'un peut-être qui a travaillé à l'aviation, un pilote par exemple, il est probable que cela soit dû à un problème technique. Là, la première hypothèse faible, on l'oppose à la deuxième hypothèse. D'après un journaliste, un brouillard pourrait être la cause de l'accident, ou de l'incident, pardon, c'est pas l'accident. Puis, on renforce par en effet le bulletin de la météo annoncé sur 2M que des précipitations sont enregistrées sur le littoral atlantique. Alors ça signifie que le brouillard est une hypothèse plus forte. Par conséquent, le brouillard serait la cause de ce retard ou du retard de cet avion. Voilà deux exemples du raisonnement, d'accord, qui peuvent vous aider à bien comprendre cette leçon.